Bonjour à tous et bienvenue sur Poké Channel 76. Donc aujourd'hui, ouverture, star étincelante, 6 boosters, Arceus. Vous en avez l'habitude. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à commenter, à lâcher des pouces. Ça fait toujours plaisir, ça motive, ça donne du courage. Et donc maintenant, on part directement sur l'ouverture. Let's go! Donc, ouverture, on a dit 6 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 boosters Arceus. Ni plus ni moins. On va essayer de chercher des hits. Il nous reste quelques hits à aller chercher sur cette série. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à regarder la, j'allais dire la playlist. Oui, voilà, tout simplement, c'est le nom. La playlist sur Star Étincelante. En sachant que sur la chaîne, je propose différentes playlists en fonction de ce que j'ai ouvert et ce qu'on ouvre en ce moment. 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on a du samedi, c'est japonais. On est sur le Climax VMAX. Très très belle série. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, ne pas hésiter à regarder. Pareil, la playlist, toutes les vidéos une par une. Hein, ça, c'est à votre guise. Vous consommez comme vous souhaitez. Voilà. Donc, René pour dresseur. Click, stalagmine, tarinor, crémie, polar rhume. Oh là là, petit forage sur celle-ci, Deden. Donc on n'a pas de TG, bassin de magma en reverse. Allez, un petit quelque chose dès le premier booster, ça serait pas mal. Et malheureusement, ce n'est point le cas. On a un petit Angoliath en classique rare. Voilà. Bon. Donc oui, ne pas hésiter à consommer comme vous voulez. On a des playlists à disponibilité pour vous. Que ça soit sur du Shiny Star V, que ça soit sur le Climax VMAX, que ça soit sur du Star Étincelant, d'Evolution Céleste. Voilà, j'essaye de faire, mine de rien, pas mal de petits contenus pour vous. Et donc, ne pas hésiter à suivre et vous abonner si ce n'est pas fait. Comme vous devez le savoir, hein, plus il y a d'abonnés, plus ça motive, plus j'ai des petits commentaires, plus ça motive. Même les critiques, hein, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Tant qu'elles ne sont pas juste là pour être méchantes et pour sabrer. Je suis preneur des retours. Voilà. Donc normalement, on a corrigé tous les problèmes techniques. Hein, on a eu ces derniers jours quelques petits problèmes techniques. Mais normalement, les micros sont bien, les caméras sont bonnes, il n'y a pas trop de lag, tout va bien. Donc Tripousse, Chinchidou, Mélofée. Abusé dans le même paquet. Ils sont sérieux. C'est rare. Un pashmina, ils se foutent de moi. Bon, bah heureusement qu'elle n'existe pas en V, hein, sinon c'est ce qu'on aurait eu. Et derrière, hop là, un champignon en rare. Bon, bah deux premiers boosters et pour l'instant malheureusement pas de gros hit. Bon, on va pas s'inquiéter, hein, on sait que la roue elle tourne de toute façon. C'est le principe des ratios. À un moment donné, vous avez beaucoup de chance et juste après, vous tapez de la loose. Mais Star Étincelante est une bonne série quand même, vu que normalement dans les paquets, on a quand même. Comment dire on a quand même les TG qui viennent rattraper un petit peu le coup, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de hits au final sur les ouvertures. C'est une série qui est assez plaisante à ouvrir comparée à d'autres dernières séries qu'on n'ira pas nommer. Colomar, Hyperball, Tropius, Cracnoa, Étourmi, Balignon, Tiplouf, Tortipousse, Gamchas, en reverse et un Torterra en holo. Bon, allons chercher les petits hits, s'il vous plaît. Attention, hop, petit col pour vous. Voici. Bon, et là maintenant, on se bouge les 1. On va chercher du hit. Bon, ça me paraît pas du tout correct pour. Hop, j'ai un petit problème de cam, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler en même temps que je regardais. Alors, Polar Griff, on est bon, ça l'a plus. Sauvegarde de rose. Ok. Mustéflotte. Ok. Caraclée, ok, ça marche. Écrapince, ok. Gringolem, ça passe. Et Oko. Wistikram,
un petit Sulfura en reverse. Ok, et derrière, en Angoliath malheureusement. Rien de foufou, hein. Bon, il nous reste deux paquets. Hop, les voici, les voilà. On y croit. On veut avoir quelque chose, au moins un petit, parce que là, ça craint du boudin sévère, hein. Ça serait une sorte de régule pas cool. Parce que c'est pas comme si j'avais tapé des big hits dans les dernières séries et dans la dernière série, dans mes dernières ouvertures à foison. Donc non, là, je veux bien un gros hit pour rectifier un peu tout ça, ça fera pas de mal. Voici pour vous. Et voici pour moi. 1, 2, 3, 4. Ok, ça n'accroche pas non plus, ça sent la loose. Allez, saltimbanque, Primplouf, attention de Tchéren, Deden, Polarume, Lixie, Canarticho, Neuneuf, Mewtwo, en reverse, et derrière c'est un Dracarmin. Papapapapam. C'est loin d'être oufissime ce tirage d'aujourd'hui. C'est le tirage de la loose, j'ai envie de vous dire. 6 boosters, pour l'instant, aucun hit. Rien du tout. Et pourtant, du Arceus, le petit Arceus qui m'avait porté chance dernièrement. Et ben là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est pas du tout le cas. Mais bon, comme j'avais dit, vu que les boosters, je les ai achetés dans les. C'est les boosters sous blister. J'ai acheté dans différents carrefours ou autres. Vu que ça a été un petit peu mélangé, il y a des moments, je peux pas. Et après, vu que c'était pris aussi et que ça a été mis en rayon un peu n'importe comment, je peux pas vraiment savoir. Il y a vraiment une grosse part de chance là-dedans. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, par exemple, je peux vous dire, ça sent la loose ce paquet-là aussi. Donc, une petite énergie flotte. Voilà. Encourageons la team Yel. Hein. Franchement, elle est jolie comme carte, j'aime vraiment bien. Après, elle sert pas à grand-chose, mais elle est cool. Pashmia, ok. Gant purifiant, ok. Magmar. Starry. Chunity. Caraclet. Voilà. Seribou. Donc, on a pu voir qu'on n'a pas de TG, bien sûr. Mais je pense qu'on n'a rien du tout derrière non plus. Buscara, donc Buscara en reverse. Et derrière, c'est la grande belle loose. Et c'est un les et les câbles. Voilà, tout simplement. Bon, bah c'est magnifique une loose comme ça. Là, ça faisait plaisir d'en avoir une. Ah là là, ça me manquait, hein. Purée, Ah, je suis ravi de cette ouverture, hein. C'est juste pour pas crier que je vous dis ça. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait très plaisir. On est toujours de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est un vrai kiff. Ne pas hésiter à vous abonner si ce n'est pas fait. J'irai pas vous embêter à vous dire de mettre la petite cloche ou autre. Plus on est nombreux, plus ça fait plaisir. Après, vous venez consommer comme vous voulez sur la chaîne. Il y a déjà pas mal de contenu. J'espère continuer à en faire. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Pour ceux qui sont déjà abonnés, bah, c'est super cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à lâcher des pouces. Voilà, je sais que je me répète entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, mais c'est fait exprès parce que je parie, je dois marteler cette phrase de façon à ce que les petits pouces arrivent en fait d'eux-mêmes et que les abonnés arrivent aussi. Voilà, donc c'est tout. Donc merci à tous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le samedi c'est japonais, c'est un beau petit rendez-vous. Et j'ai vu que le samedi dernier, pour le coup, ça n'a pas trop fonctionné la vidéo. Pourtant, VMAX Climax, c'est vraiment une très très belle série. Sincèrement, c'est pour moi la plus belle série qui est sortie depuis le départ. Donc voilà. Merci à tous, on se dit à très bientôt sur Poké Channel 76. Ciao, ciao!